Ben vas-y, je t'écoute alors. Allez, alors les problèmes. Donc, manque de confiance en moi, difficulté à m'exprimer devant des personnes, exemple angoisse, blocage. Face aux difficultés, je rencontre, face aux difficultés que je rencontre, je perds pied, je panique complètement. Difficulté à gérer mes émotions, j'ai souvent des impulsions négatives. Difficulté dans la réflexion et la mémorisation, j'ai surtout peur de l'inconnu. Déplacement, de vie, vie professionnelle, tout ça. En fait, c'est une anxiété générale, quoi. Voilà, c'est un tout. Et là, tu vois, je sais plus quoi dire, je panique, je suis bloquée. Voilà, je commence à avoir je transpire des mains, voilà. Je suis pas à l'aise, quoi, quand je parle. Ok. Voilà. Okay. Bon, ça va. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, parce que j'en parle. Tu Ah, qu'est-ce que as... je vois? Dis-moi. Ouais, j'en parlais. Vas-y, 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 vas-y. C'est en 2005. En 2005, j'ai perdu j'ai fait une fausse couche. J'étais enceinte de 7 mois. Voilà. Donc en fait, c'est à partir de là aussi que ça s'est aggravé, ma situation. C'était quoi son prénom? Clarisse. Clarisse. Et Ok. c'est surtout à partir de là que ça s'est empiré, quoi. Tout ça là, la panique, la peur, l'anxiété, c'est depuis toujours? Non, pas de. Non, 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 non. C'est, je te dis, à partir de la perte de la petite. Mais avant, je veux dire qu'avant ça, ça allait ou c'était déjà là? Bon, c'était un peu là, mais pas autant, quoi. Ok. J'avais toujours peur de l'inconnu. Si tu veux, j'ai toujours peur de l'inconnu. Et dialoguer avec les gens et tout, j'ai du mal, quoi. T'arrives à identifier à quoi elle correspond cette peur? Non. Je dis à quoi elle correspond, c'est quand tu as peur de parler avec quelqu'un, concrètement, c'est ta peur de quoi? Ben, j'ai peur de dire des bêtises, j'ai peur que la personne qui est en face se foute de moi, quoi. Enfin, dise que. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non. Non. On peut y aller alors? Ouais. Tu peux couper le micro de ton côté? C'est où le micro? Il y a la pastille à gauche avec Et le c'est micro là. dessiné. Pastille bleue. C'est bon. Stéphanie? Oui. Stéphanie, je crois que je t'entends pas dans le micro. Ah, tu m'écoutes pas là? Le son n'est pas dans le micro. Est-ce que tu veux une induction? Non, c'est bon, j'étais déjà partie. Ok, alors tu respires profondément. Est-ce que tu avais déjà capté des choses? Oui, alors déjà, la première chose, c'est que je ressentais un poids énorme au niveau de la poitrine, comme si ça m'écrasait, et puis comme un espèce de parasitage autour. Et la première image que j'ai eue, c'est une petite fille avec des longs cheveux noirs et pas de visage. C'est comme si tous les cheveux étaient devant, lui recouvraient le visage. Et elle a une démarche très particulière, c'est-à-dire qu'elle ne se tient pas droite, elle est toute bossue. Et elle marche les bras le long du corps. Elle est très menue, elle est habillée, je vais dire, comme une chemise de nuit, en chemise de nuit.
Ça, c'est ce qui se présente à toi? Oui. Est-ce que ça communique avec toi? Non, 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 c'est tout de suite quand je me suis connectée. Ok. Touche cette fillette. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Elle est bien humaine. Quand je l'ai touchée, ses cheveux sont partis à l'arrière. Est-ce que c'est Christine? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle se présente comme ça? Parce qu'elle ne veut pas se montrer. Elle préférait rester cachée. Il fallait déjà qu'elle. C'est comme s'il fallait déjà qu'elle voie pour qu'on puisse voir son visage. Donc là, je vois son visage. Ok, alors déjà là, je veux que tu observes l'espace dans lequel elle est. Tu me le décris? Oui. J'ai une chambre, dans une chambre. C'est tout ce que j'ai, une chambre. Où il y a un bureau, un lit. Et elle est assise sur le lit. Quel âge elle a? 11 ans. Pourquoi est-ce qu'elle se présente à nous à 11 ans? Elle pleure beaucoup. Elle est sur le lit, elle a les mains dans la tête et elle pleure beaucoup. Elle est très triste. Demande-lui pourquoi elle pleure. Elle pleure parce que personne ne fait attention à elle. C'est comme si elle n'arrivait pas à attirer l'attention des gens qui l'entourent sur elle. Elle est très isolée. Elle est seule. Et elle a peur aussi quand elle est seule, elle me dit. Est-ce que dans cette scène, cet état-là correspond à l'incarnation de Christine actuelle ou est-ce que ça correspond à une autre incarnation? Non, c'est dans cette incarnation-là. Ok. Ok. Observe cette chambre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, elle est seule. Il y a des affaires de classe, d'école, bureau, chaise. Je vois rien d'autre qui pourrait... Non. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Alors, je parle avec Christine. Christine? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans cette chambre? J'ai beaucoup de chagrin. Pourquoi? Parce que personne m'aime. J'ai pas d'amis. Je suis seule. Personne m'aime. J'ai pas envie d'aller à l'école non plus. Je veux rester là, tout le temps. Depuis combien de temps t'es dans cette chambre? Je sais pas. J'ai l'impression longtemps. Je suis bien ici. T'es toujours toute seule ici? Oui. Y'a jamais personne qui vient? Non. Qu'est-ce que tu attends là? Je sais pas. Je sais pas, mais les autres, ils m'aiment pas. Je sais qu'ils m'aiment pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. C'est bon. Prends de la hauteur. Oui. Tu peux regarder Christine dans les yeux et me confirmer que c'est bien elle? Oui, c'est bien elle. Depuis combien de temps elle est dans cette chambre?
Elle me dit qu'elle est dans cette chambre depuis trop longtemps et elle me dit 5 vies. 5 vies. Ok. Observe la chambre de la première vie. Alors c'est pas la même. J'ai pas le même décor. C'est une chambre qui est beaucoup plus sombre, où il y a quasiment rien dedans. C'est simplement une espèce de bassin pour faire pipi, un lit, un vieux lit et une chaise. C'est tout. Au niveau de l'apparence, elle est semblable ? Au niveau de l'apparence, oui. Est-ce que cette scène que tu perçois sur le plan éthérique correspond à une réalité physique ? Oui. La même chose ? Oui. Qu'est-ce qu'elle vit à ce moment-là, sur le plan physique ? Sur le plan physique, il y a... Au niveau du corps, c'est comme si le corps était rétréci. Il y a des douleurs au niveau de la poitrine. J'ai aussi un amaigrissement et un repli sur elle. Elle est toute voûtée, elle est toute chétive. Quel âge elle a dans cette scène ? Elle est un peu plus jeune, elle a 7 ans. C'est sa première incarnation ou il y en a eu avant ? Non, c'est la première. La toute première ? Oui. Ok, prends de la hauteur. Regarde cette vie et décris-moi à quoi ça ressemble. C'est une vie de pauvreté. Le papa est alcoolique. Il y a beaucoup de violence dans la famille. Très peu de nourriture. De l'eau, du pain. Elle ne sort pas. Elle ne mange pas à table. Elle reste dans sa chambre. Elle est très souvent comme punie. Mise à l'écart. Il y a beaucoup de cris. Ça crie beaucoup. Il y a un petit frère, mais... On les sépare, il ne faut pas qu'ils se parlent. Il est beaucoup plus petit, il ne faut pas qu'elle le touche. Pourquoi avoir choisi ce type de vie pour une première incarnation ? C'était pas comme ça qu'elle l'avait imaginé. Elle pensait qu'elle pourrait surmonter et que ça la rendrait plus forte. La difficulté était un choix, c'est ça ? Oui. Ok. Comment elle fait alors, puisqu'elle elle connaît la difficulté, puisque c'est un choix, comment alors est-ce qu'elle se retrouve coincée dans cette chambre pendant 5 vies ? Parce qu'elle n'a jamais réussi à en sortir. C'est comme s'il n'y avait qu'un seul modèle de vie et que c'était celui-ci. Comme si à chaque fois, cette vie, on lui reproposait. On lui reproposait ? Ouais. Comment ça ? Elle était là, on lui repropose. C'est comme si je voyais quelqu'un lui donner un ticket. Ok, trouve-la moi quand elle meurt. Elle sort du corps. C'est bon. Est-ce que quelqu'un se présente ? Oui. Comment ? J'ai une forme et effectivement, ça lui donne un... Je vois un morceau de papier. C'est comme si elle était liée à quelque chose. Comme si elle était liée à un contrat, parce que ça ressemble à un contrat. Et tout de suite, elle le prend.
Et elle dit d'accord. Et cet être-là, c'est quelque chose qui se présente à elle de très lumineux, comme un ami, comme quelqu'un qui veille sur elle, comme un ange gardien. Est-ce qu'il est connecté à elle ? Oui. Parce que lui, il lui dit qu'il l'aime beaucoup, énormément. Et que sans lui, elle ne pourrait pas être là. Depuis quand il est connecté à elle ? La toute première fois avant l'incarnation. Avant la première ? Oui. Montre-moi ce moment. Au moment de cette incarnation, il se présente déjà à elle. Au-dessus, je le vois au-dessus, se pencher au-dessus du berceau. Lui faire des jolis sourires. On est avant l'incarnation ? Non, là, du coup, je suis sur l'incarnation, excuse-moi. Donc, c'est ce que je veux savoir. C'est oui, avant. Quand elle décide de s'incarner. Ok. Oui, elle sort quand d'un... Attends. Quand elle décide de s'incarner, est-ce qu'il est là, déjà, ou pas ? Oui. Ok. Oui, je la vois sortir comme d'un grand couloir. Et là aussi, tout est très lumineux. Et il est là. À ce moment-là, elle s'est déjà incarnée quelque part, ou pas ? Non. C'est la première fois ? Oui. Elle n'avait rien expérimenté avant ça ? Non, je vois rien. Je vois juste ce grand couloir avec cette lumière qui est là. Et... Ok. Ensuite ? Donc ensuite, elle arrive au bout de ce grand couloir. Il lui donne... il se présente déjà à elle en lui expliquant que c'est son ange, qu'elle pourra toujours compter sur lui, qu'il n'y a que lui qui peut lui apporter ce dont elle a besoin. Et il lui remet ce ticket. Alors je dis ticket parce que c'est vraiment très petit et c'est comme s'il y en avait... Tu vois, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui passaient dans ce couloir et qui distribuaient ces tickets. Ok. Elle prend le ticket, elle s'incarne ? Oui. Donc, cette idée que la difficulté était un choix, c'était induit, c'est ça ? Tout à fait. Parce que grâce à lui, elle allait pouvoir tout surmonter. S'il serait toujours là, à ses côtés. Ok. Par quel endroit du corps il est connecté à elle ? Ce niveau-là, au niveau du thorax. Et tu vois, quand je dis ça, c'est comme s'il y avait une sorte de marque qui était là. Mmh. Oui, comme si elle était marquée, en fait. Observe cette marque. Ça ressemble à une croix. Quel type d'information est contenu dans cette marque ? Possession, soumission. On va te garder auprès de nous. Trouve-moi Christine dans le présent. Oui. Tu es toujours dans cette chambre ? Oui. Prends de la hauteur,
Toujours sur ces vies. Tu m'as dit 5 vies, c'est ça? Oui. Balaye. Et dis-moi à quoi ça ressemblait. C'est toujours un peu le même scénario, je vais te dire. J'ai toujours ces mêmes informations avec ce ticket. Toujours ce même maître qui la connaît bien. Et c'est des vies où elle les vit pas, en fait, elle les subit. Des vies de tristesse, de désarroi, de souffrance, d'isolement. Regarde, Christine, en 2015, en 2005, pardon. 2005. Quand elle perd l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Déjà, cet enfant, c'est comme si on lui avait arraché. Comme si ça lui avait enlevé une partie d'elle. Je la vois tendre les bras. Et il y a une incompréhension. Il y a du rejet aussi d'une partie d'elle. Parce qu'il y a de la, comme une culpabilité, comme si elle était responsable. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à la mort de cet enfant? Oui, parce que j'ai vraiment l'impression, dans ce que je perçois, qu'il y a encore cet être qui est là et qui lui arrache, quoi. C'est comme si elle n'avait pas droit à ça. Pourtant, il y a eu 2 enfants avant et un autre après. Pourquoi celui-là? J'entends que c'était celui de trop. Est-ce qu'il y avait une âme dans cet enfant? Non. 7 mois. Normalement, il y a une âme qui s'est incarnée dedans. Ah non. Il faut que j'y aille, c'est non. Capte l'info dans la partie subliminale par rapport à la perte de cet enfant. Pour quelle raison il fallait que elle perde l'enfant? C'est comme si à la perte de cet enfant, ça l'a reconnecté à toutes ses vies. Comme si cet enfant était le déclencheur de souffrance, de tristesse, de non-amour. Et tu vois, j'ai même l'image d'un fouet, comme une auto-flagellation. Une auto-flagellation? Oui, comme si elle se faisait du mal toute seule. Ok. Pourquoi la panique? Parce que c'est comme si tous ses sens se mélangeaient, qu'elle n'arrivait plus à faire le distinguo entre chacun de ses sens. C'est comme ça fait comme une éruption, je vais dire, et tout se mélange. Et ça la fige. Elle est figée. Elle est figée et ça bloque. Ça lui bloque la parole. C'est peur de l'inconnu. Ouais, c'est comme si tout son corps devenait rigide et que tout, comment dire, comme si elle n'avait plus accès à ce qu'il y avait autour d'elle, ça la renferme totalement sur elle. Et dans la peur de l'inconnu, c'est la peur de la mort.
La peur de la mort. C'est comme si l'inconnu, finalement, c'était la peur de mourir. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'elle ait peur de mourir ? C'est une comme une croyance qui est là. Sa mort a pris beaucoup de place. Ok. Trouve-moi cette conscience avant ce tunnel, là, avant ce tunnel avec la lumière, avant qu'elle se fasse attraper. Trouve-la moi à ce moment-là. Oui. Comment elle est ? Ben, pour l'instant, je la vois plutôt lumineuse, heureuse. Heureuse d'aller expérimenter. D'aller voir ce qui se passe. Incarner un corps humain sur Terre, est-ce que c'était une décision en amont ? Je veux dire, avant le tunnel, est-ce qu'elle voulait aller sur Terre ? Oui. Oui. Mais ouais. C'est comme s'il y avait eu un, comment dire, une espèce de débriefing, tu vois. Voilà, comme si certaines choses avaient été expliquées de telle manière à ce que, bah oui, j'y vais, parce que ça a l'air d'être bien. Ok. Est-ce que à ce moment-là, avant le tunnel, là où tu l'aperçois là, est-ce qu'elle sait qu'on est là ? Non. Non. Tu peux entrer en contact avec elle ? Oui. Montre-lui tout ce qu'on observe depuis tout à l'heure. C'est bon, elle regarde. Elle est comme choquée. Parce que ça ne correspond pas du tout à tout ce qu'elle a pu, à tout ce qu'on a pu lui dire. C'est tout ce qu'on lui a dit avant, c'était vraiment très lumineux, tu vois. Qu'est-ce qu'on lui a dit avant ? Avant, on lui a dit que. Que c'était beau, que c'était magnifique, qu'il n'y avait que la lumière, qu'elle serait toujours accompagnée, qu'elle serait jamais seule, qu'elle allait pouvoir vivre de belles choses. Elle est pas toute seule, en plus, là où je la vois, il y en a d'autres avec elle. C'est qui ces autres ? Des consciences qui, comme elle, sont prêtes aussi à rentrer dans ce... Comment elles se sont retrouvées là ? Elles ont été appelées. Par qui ? Des élus. Des élus ? Comme ces êtres, ben, par ces êtres-là. Je veux dire Angélique. Parce qu'ils sont comme ça. Ils se présentent comme ça. Comment est-ce qu'ils se débrouillent pour les appeler ? C'est comme un, comment je vais dire, c'est comme un espèce de recensement. Il y a une liste, je vois une liste. Et c'est comme une convocation. Ils vont même les chercher pour certains. Et ils les amènent là. Toi, je les vois dans une pièce. Mais c'est d'un blanc très intense. Et tout le monde est prêt. Est-ce qu'ils les prennent au hasard ? Est-ce qu'ils les sélectionnent ? Non, c'est du hasard. Ils ont une liste de noms comme ça au hasard.
Il n'y a pas de critères particuliers. Ok. C'est quoi le but ? Par contre, dans cette pièce, il y a quand même beaucoup de femmes. C'est quoi le but ? Le but, c'est simplement de... de voir jusqu'où les croyances peuvent aller. C'est comme s'il fallait une petite... petite armée de conscience bien docile pour aller expérimenter ce que ces êtres-là ont prévu pour eux. Ok, mais c'est quoi, du coup ? Ces êtres-là ? Qu'est-ce qu'ils ont prévu, en fait ? C'est quoi qu'ils récupèrent ? Ils récupèrent de l'énergie, puisqu'ils sont... c'est comme s'ils étaient connectés à ces personnes. Ils récupèrent de l'énergie, ils récupèrent des informations. Et c'est comme si à chaque fois, ça leur permettait d'améliorer leur technique, entre guillemets, pour les prochaines fois. Ok. C'est de l'expérimentation. Ok. On retourne dans le présent ? Oui. Sur le plan subliminal, quelle est l'émotion qui vibre le plus... Quelle est l'émotion primordiale dans son corps ? La tristesse. C'est vraiment Est-ce que cette émotion, elle est provoquée par quoi ? C'est comme si cette émotion était reliée au niveau de son plexus et qu'elle était, en boucle. Je la vois tourner en boucle comme si c'était un circuit, en fait, qui partait de son plexus et qui ne s'arrêtait jamais. Ok. Observe-la sur le plan physique. Qu'est-ce qui attire ton attention ? À ce niveau-là, ça fait comme une espèce de boule. Ok. Moi, je vais t'expliquer ça. Oui, une espèce de boule, et c'est comme s'il y avait des. Tu vois, comme des bouts de. Des petits bouts de tuyaux qui sortent. Et il y en a un qui fait vraiment ce trajet, là. Est-ce qu'il y a uniquement la tristesse qui circule ? Non. J'ai aussi la peur. J'ai aussi la peur de l'abandon. Et le dégoût. Le dégoût ? Ouais. Le dégoût de quoi ? Le dégoût d'elle-même. C'est comme si parfois elle ne se supportait plus. Qu'elle en avait marre d'être comme ça et... Ouais, elle se dégoûte. Ces émotions-là, elles sont... contenu dans ce système que tu vois au niveau du plexus ? Oui. Est-ce qu'elles sont programmées ? Oui. Est-ce qu'elles ont été programmées par l'extérieur ou est-ce que c'est elle qui les a comme autoprogrammées ? C'est elle qui les a autoprogrammées. Alors, attends... J'ai une autre info, c'est elle, parce qu'au premier plan, c'est elle qui les a programmés, autoprogrammés, mais c'est que derrière, c'est comme s'il y avait une petite puce qui alimentait tout ça. Ok.
Donc, c'est comme si c'était un système qu'elle, elle avait mis en place, mais qui a quand même été induit par quelque chose qui... par une programmation qui est là et... J'ai pas l'impression que c'est elle, en fait. C'est quelque chose comme un implant. Ok. Elle le voit ? Non. Non, elle le voit pas parce que quand elle vit ça, ça, elle est tellement submergée par tout que la, c'est elle la responsable. En fait. Est-ce qu'elle a conscience d'avoir un corps physique ? Adulte, je veux dire. Non. Non quoi ? Non, elle n'a pas conscience d'avoir corps physique du tout. Non, elle n'a pas conscience d'avoir un corps physique adulte. Ok. À chaque fois, dans chacune de ses vies, elle restait bloquée à un état, on va dire, de conscience à un certain âge de l'enfance, c'est ça ? Oui. Et elle n'allait pas plus loin ? C'est comme si c'était une image figée en fait. Comme si ça bloquait cette période de l'enfance et que ça en restait là. Est-ce que c'est comment dire ? Est-ce que c'est est-ce que c'est programmé ? Oui. Pour quelle raison ça a été programmé comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'elle reste coincée à l'âge de 7 ans ou à l'âge de 11 ans ? Qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte rien, mais c'est programmé parce que c'est, comment dire, c'est comme si elle ne voulait pas aller au-delà pour voir ce qui s'y passe. Et c'est elle qui ne veut pas ? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas ? Parce que ça lui fait peur. Elle dit ça me fait peur. Ce serait peut-être encore pire après. Elle a peur que les choses s'intensifient encore plus. Et elle a peur d'en mourir. Est-ce que ça correspond à une mémoire, ça ? Oui. Cette peur d'en mourir ? Oui. À quel âge elle est morte dans sa première vie ? 44. Alors, si dans sa première vie, elle meurt à 44 ans, pourquoi rester bloquée à l'âge de l'enfance ? Parce que tout ce qui s'est passé après... elle me dit tout ce qui s'est passé après 16-17 ans, ça a été trop compliqué. C'est comme si elle avait voulu oublier, en fait. Comme si elle avait voulu cacher, comme si elle avait voulu mettre un... ne pas voir. Ok. Dans toutes ces autres vies, qu'est-ce que ça provoquait, le fait de rester coincé comme ça à un âge enfant ou adolescent ? Du coup, ça l'a coupé de la vie sociale. Ça l'empêchait aussi d'avoir une relation amoureuse durable. Elle s'est aussi empêchée dans une vie d'avoir des enfants. C'est comme si effectivement elle s'empêchait de... C'est ce qui revient. Parce qu'elle a peur de mourir. Oui. Elle a peur de mourir en ayant raté sa vie. En ayant raté sa vie ? Oui. Elle ne veut pas grandir. C'est trop dur. C'est trop compliqué. Mais en faisant ça, elle rate sa vie.
pas pour elle. Et puisqu'elle ne la vit pas, elle passe à côté de sa vie, donc elle la rate. Donc elle meurt en ratant sa vie parce qu'elle a peur de mourir en ayant raté sa vie. Ça n'a aucun sens. Bah pour elle, ça en a. Ok, tu me laisses parler avec elle ? Oui. Je parle avec Christine. Christine ? Oui. Ça n'a pas de sens, ce que tu racontes là. Je ne sais pas. Tu as peur de mourir en ayant raté ta vie, c'est ça ? Oui. Donc tu ne vis pas ta vie. Comment tu veux que je la vive ? Je suis nulle. J'ai rien. J'ai rien qui va bien. J'ai rien qui est bien pour moi. Autant rester là. Mais du coup, si tu restes là, à un moment donné, tu vas mourir. Ton corps va mourir. Et tu n'auras rien fait. Tu seras passé à côté de ta vie. Oui ou non ? Oui. Donc tu auras raté ta vie. Oui. Parce que tu es nul ? Oui. Qui t'a dit que tu étais nul ? Je l'ai entendu tellement de fois. Je suis nulle, je suis pas belle, j'ai rien qui va. C'était quand la première fois que tu l'as entendu ? Ma toute première incarnation. J'étais trop maigre. J'avais les cheveux sales. J'avais des poux. On se moquait de moi. Et tu l'as cru ? Oui. S'ils le disent, c'est que c'est vrai. S'ils le disent, c'est que c'est vrai. Oui. Les autres, quand ils te voient, ils te voient bien comment toi tu es. Donc c'est que c'est vrai. Tu es sûr de ça ? Je crois. Qu'est-ce qu'on t'a dit d'autre ? On m'a dit que je ferais jamais rien. Que j'étais une bonne à rien. Que personne ne m'aimerait. Ça, je l'ai entendu un paquet de fois. En gros, que je ne servais à rien. Ok. Donc ça, c'est quelque chose que tu as entendu dans ta première vie. Oui. Et tu l'as entendu dans les autres vies aussi ? Oui. C'était dans les autres vies, c'était peut-être moins dur, mais... La première, ça a été... Ça a été la plus dure. Oui. J'ai tout entendu, tout. Pourquoi est-ce que tu as continué à y croire alors, quand tu es morte de cette première vie ? Tu aurais pu te dire, on m'a dit ça dans cette vie-là, ça appartient à cette vie-là, je laisse... Je ne crois pas les choses qui ont été dites et qui m'ont déclenché des émotions négatives. Tu aurais pu te débarrasser des émotions négatives. Pourquoi tu les as gardées ? Parce que j'ai pas su comment faire pour tout faire partir, pour tout recommencer. C'est comme si c'était ancré à l'intérieur, comme si ça faisait partie de moi, tout ce que j'avais entendu, comme des stigmates.
Tu sais, c'est dur d'entendre ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant alors? Là, j'aimerais bien débarrasser de tout ça, si c'est possible. Essayer de voir ce que ça fait quand on est bien, quand on est plus triste, quand on peut se montrer. J'ai plus envie de rester cachée. J'en ai marre d'être dans cette chambre. Sors alors. Je repars où? Par où tu veux. Tu veux être où là? Où est-ce que tu Dehors. voudrais être? À l'extérieur. Où ça, à l'extérieur? J'aimerais me promener dans un champ. Dans un champ avec des fleurs. Fais-le. Fais disparaître la chambre. C'est bon. Tu l'as fait? Oh oui, j'ai envie de pleurer. Je l'ai fait. Parce que c'était difficile. Je savais pas comment faire. Je respire. Je respire. Comme si je savais une odeur particulière. C'est beau. Quel type d'odeur? De frais, de fleurs, d'air pur. La nullité, où est-ce qu'elle est dans ton corps? Là. Regarde cet endroit. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Je vois comme un espèce de nœud, comme quelque chose qui bloque ici, qui m'empêche presque de respirer aussi correctement. Qu'est-ce que ça fout là? Je sais pas, je peux peut-être l'enlever. Ok, enlève-le. C'est bon. Je me sens beaucoup mieux. Est-ce que tu te sens toujours nul? Là, tout de suite, je sais pas. Je sais pas, c'est comme si j'avais... Si je te parle d'émotions négatives, est-ce que tu peux en identifier là, dans ton corps? Non. Peut-être un peu de peur. Où ça? Ici. Pareil, observe. Qu'est-ce que c'est? Pareil, ça fait... C'est moins gros. Ça fait comme une espèce de petite bille bleue. Qui a placé ça là? Je sais pas, peut-être moi. Demande, appelle le propriétaire. Cette bille, est-ce que quelqu'un se présente ou pas? Oui. Qui? Cet ange. Demande-lui de reprendre sa forme d'origine. C'est pas un ange. C'est quoi? Un lézard. Est-ce qu'il est tout seul? Oui. Il travaille tout seul? Sur toi, je veux dire. Oui. Ok. T'as pas de chef? Non.
dis-lui de reprendre ce qu'il t'a placé à l'intérieur. C'est bon. Il rigole quand même. Pourquoi est-ce qu'il rigole ? Je sais pas. Il reviendra pas. Dis-lui de détruire là ce qu'il a placé. C'est bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec lui ? On le dégage. Ok, dégage-le. C'est fait. Je lui ai mis un beau coup de pied dans le derrière. Ok. Est-ce que tu es en colère ? Non. Non, je suis, je sais pas, je suis détendue, calme. J'ai vraiment cette notion d'être détendue, comme si, je sais pas, tout était plus léger. C'est quoi ton émotion préférée ? L'amour. Tu peux augmenter cette vibration-là dans ton corps ? Observe ton corps physique. Oui. Qu'est-ce qui vibre dans ce corps ? Tout de suite, l'amour et la joie. Est-ce que tu détectes dans ce corps physique des vibrations basses ? Non, il en reste encore peut-être à ce niveau-là, au niveau du ventre, hein. Mais elles sont très vaporeuses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elles vont partir ? Elles vont rester ? Oui. Non, elles vont partir. C'est comme si ça partait. Toi, j'ai cette notion de partir en fumée. Ok. Est-ce que tu es dans le corps ? Oui. Ok, laisse-moi avec Stéphanie. Oui. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. C'est bon. Comment est-ce que tu l'aperçois ? Je l'aperçois effectivement... plus souriante, plus détendue, et je sais pas, c'est comme s'il y avait eu une espèce de réunification. Ouais, de réunification, comme si elle avait retrouvé son entièreté, et de la force aussi. J'ai cette notion de force, d'une énergie différente qui circule très intensément. Et même une émotion, mais comment je vais l'expliquer, de presque d'être ému. D'être, ouais, c'est ça, d'être ému. Ok. Demande-lui si elle a un message à adresser à sa partie physique. C'est bon, faut y aller, cocotte. Faut y aller. À fond. Elle fait à fond, à fond, à fond, à fond. C'est comme si. Je vais te coacher. C'est bon, maintenant. On va y aller. On va gagner. J'ai cette notion, voilà, on va gagner. Tu vas gagner. Un dernier scan, son espace éthérique, son espace physique. C'est tout propre. Tous ses corps, tout est propre, il n'y a plus rien ? Non, il n'y a plus rien. On peut la laisser ? Oui. Ok, alors tu te déconnectes. C'est bon. Et on rentre. Je compte maintenant de
1 à 3 et à 3, tu seras revenu dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale. Et tu la crées dans ton corps et tu la fais grandir et circuler. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. C'est bon. Comment tu te sens ? Ça va, merci. Christine, tu peux revenir, appuyer sur le micro. Ah, c'est bon. Comment tu te sens ? Ben mieux. Je sais pas, j'ai plus ce nœud au fur et à mesure de la session. J'étais moins comprimée en fait. Au niveau du ventre aussi, que j'ai toujours mal au ventre, et là progressivement, mon mal s'est apaisé quoi. Voilà. Après, c'est trop quoi. Enfin, je sais pas, c'est impressionnant. C'est... Les informations t'ont parlé ? Oui, beaucoup, beaucoup, okay. Beaucoup, ouais. Ouais, ouais. Au niveau de la peur, au niveau de la peur de la mort, tout ça, oui. Ok. Ouais. Est-ce que tu m'autorises à publier cette session ? Est-ce qu'on la garde privée ? Ah non, non, tu peux la publier. Il n'y a pas de souci. Est-ce que je dois te flouter ? Si tu veux. Oui. Oui. De toute façon, maintenant j'ai décidé, je flouterai tout le monde comme ça. Mais franchement, c'est... Okay. Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire là, maintenant, là, parce que bon, c'est énorme ce qui s'est passé là. C'est énorme. Ouais. Ok. Je te remercie et je remercie Stéphanie aussi. Merci Christine. Parce que là déjà j'ai moins le poids quoi, j'ai moins la boule quoi à l'estomac. Donc voilà.